Bonjour, je m'appelle Colin. Je suis le maître du jeu et co-créateur de Décidément. Et pour cette troisième marche avec Colin, on va s'asseoir et on va laisser la marche continuer dans notre imaginaire pour parler du monde imaginaire qu'on a créé avec Imitar et le Collège Gréal. Donc, le monde Imitar, c'est un univers complètement séparé du nôtre. Ça n'a aucun lien avec l'univers dans lequel on existe aujourd'hui. Mais c'est un monde fantaisique où la magie existe. Où des espèces, des humains, des orques, des elfes, des halflings, des chouettanes, entre autres, cohabitent partout sur le continent. Et il y a une riche variété de cultures et d'origines différentes. Imitar, c'est le nom du continent. Et sur ce continent-là, il y a plusieurs différents pays. Notamment, on a le pays de Urtum, d'où provient le personnage de Chuck, c'est-à-dire Ekwensu. On a le pays de Brokush, d'où provient le personnage de Roxanne, Uta. Et ensuite, on a le pays d'Arima. C'est dans ce pays-là que le Collège Gréal se situe. Et c'est de là où proviennent les personnages de Colin, Joël, Ariel et Zara. Commençons par les boussoles. Les boussoles, c'est des artefacts sphériques, gigantesques, qui permettaient aux nations d'Imitar de contrôler la météo. Ça permettait aux récoltes d'être abondantes, aux nations de contrôler et d'éviter des désastres écologiques. Mais ultimement, les boussoles ont aussi donné leur nom à la guerre des boussoles. Un moment où des nations ont décidé d'utiliser ces artefacts-là pour déclencher une guerre qui a complètement changé le continent d'Imitar. Cette guerre dévastatrice a duré 10 ans et s'est terminée 20 ans avant notre aventure. Nos protagonistes, qui sont des étudiants universitaires, ont donc grandi dans l'ombre de l'après-guerre. Dans l'ombre de ce conflit important. Ils ont tous, chacun, vécu de différentes manières l'évolution du monde d'Imitar après cette guerre-là. Et ça a un impact et couleur un peu leurs expériences de vie comme personnages. Dans la 10e année de la guerre des boussoles, c'est-à-dire dans sa dernière année, il y a une malédiction additionnelle qui s'est présentée sur le continent d'Imitar, c'est-à-dire les veines de cristal. C'est une maladie qui, parfois rapidement, parfois lentement, était fatale pour tout le monde qui l'attrapait et a fragilisé le continent à tel point que les nations n'avaient pas vraiment le choix que de faire la paix. La maladie est encore présente dans le monde de nos aventuriers. Il n'y a jamais eu de remède ou d'enchantement qui a su protéger les gens contre cela. C'est un peu un fait de vie que les gens doivent vivre avec. Et ultimement, et peut-être d'une manière un peu perverse, l'incertitude et la fatalité créée par cette malédiction-là empêche un peu une nouvelle guerre de se manifester sur le continent. Dans tout ça, on a le Collège Gréal, un des nombreux collèges de magie sur le continent d'Imitar et probablement le plus grand collège dans le pays d'Arima, qui a servi de bastion pour la connaissance, de fort pour les gens qui cherchaient un refuge, et d'endroits où les gens pouvaient vraiment atteindre leur plein potentiel et découvrir ce que ça voulait dire pour eux, ça. À un niveau individuel, mais aussi dans le contexte du monde dans lequel ils habitent. Tous sont bienvenus à Gréal, c'est-à-dire il y a des citoyens de tous les pays qui peuvent venir y étudier. C'est pour ça aussi que nos protagonistes viennent un peu partout sur le continent. Une des caractéristiques un peu uniques de Gréal, c'est les cohortes. C'est-à-dire des équipes de 6 étudiants interdisciplinaires. Chacun étudie ce qu'ils veulent, mais ensemble, tout au long de leur parcours collégial, ils vont quand même devoir, en tant que groupe, accomplir certaines épreuves pour passer à la prochaine étape de leurs études. Un des éléments intéressants aussi au sujet de Gréal, c'est qu'il y a un village qui l'entoure, c'est-à-dire Gréalbourg. Et Gréalbourg, c'est un village assez jeune qui est apparu pendant la guerre des boussoles. Plusieurs personnes ont voulu se réfugier de la guerre et chercher la protection qu'offrait le collège.
et donc sont venus petit à petit s'établir dans les alentours du collège. Au fil des ans, une vraie communauté est née et Gréalbourg est apparu. C'est d'ailleurs le lieu de naissance d'Hugo, le personnage de Colin. Colin Rémillard, pas moi. J'espère que vous avez apprécié cette troisième marche avec Colin. Pour l'instant, c'est la dernière, mais décidément, on sort le 3 octobre sur WebWest. Donc, soyez à l'écoute et on espère que vous aimez ça.